Alors, dans cet épisode, nous allons regarder d'un peu plus près la faction des World Eaters, afin de mieux comprendre comment jouer avec ou contre elle. Mais juste avant, une petite annonce pour vous dire que MyObiPlace est le nouveau partenaire de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, lorsque vous passez commande via le lien d'affiliation que vous trouverez en description, ou vous sélectionnez le nom de la chaîne avant le paiement de votre commande, car MyObiPlace s'engage à reverser 5% à la chaîne. Allez, sur ce, passons à l'épisode d'aujourd'hui. Déjà pour commencer, comment cette faction sécurise-t-elle les objectifs? Avec un mélange de Jackal et de Rhino, la capacité d'objectifs ravagés des Jackal leur permet de coller les objectifs durant votre phase de commandement, vous permettant de les capturer et de continuer à charger les unités adverses. De même, le stratagème Offrande de sang est l'un des plus utiles, vous permettant de dépenser un point de commandement pour conserver le contrôle de l'objectif après avoir été détruit, forçant un adversaire à réellement venir le prendre. Vous pouvez également vous permettre de rester en retrait avec votre seigneur sur Juggernaut, surtout s'il agit en solitaire, et c'est aussi une bonne façon de protéger votre optimisation favori de Khorn. Car dans un monde idéal, vous pouvez coller certains objectifs assez tôt et simplement vous assurer qu'un adversaire ne peut pas physiquement se déplacer vers ses objectifs. Cela dit, de bons adversaires ne vous laisseront pas faire librement vos mouvements scouts trop facilement au tour 1, et ne se laisseront pas surprendre. Ils vont chercher à bloquer votre mouvement avec leurs propres unités d'infiltration, comme les Nurglings, qui se déploieront défensivement et utiliseront généralement le terrain pour empêcher une charge dès le tour 1. Vous pouvez toujours utiliser cela à votre avantage, jouer de manière agressive tôt dans la partie, appliquer la pression et forcer-les à regretter de vous avoir bloqué. Il est acceptable de donner à votre adversaire 5 points de victoire sur le primaire à chaque tour, à partir du moment où vous marquez 10 à 15 points, car cela créera un bon différentiel. Même si vous vous faites table rase, vous pouvez utiliser cette stratégie pour marquer une avance précoce assez importante durant la partie pour que votre adversaire ne puisse pas récupérer son retard. En ce qui concerne le choix entre les objectifs tactiques contre les objectifs fixes, la réponse est souvent les tactiques, car les World Eaters ont tellement de mouvements qu'ils peuvent être partout sur le champ de bataille et en position de marquer à tout moment pour de nombreuses missions secondaires. Mais comment cette faction gère-t-elle les hordes ennemies en les décapitant en phase de combat? Chaque berserker de Khorn vous donne 5 attaques à force 6 et PA-1 à la charge. Donc même une unité de 5 figurines peut facilement éliminer 10 figurines équivalent à l'Astra Militarum avec des gemmes moyens, et peut également éliminer autant de Boys Orcs. Les Octoliers transformeront également la plupart des unités en un tas de chair difforme. Il n'y a pas grand chose qui puisse y survivre, bien que parfois vous deviez doubler, voire tripler les attaques pour vous assurer de vous débarrasser de l'unité adverse en une seule phase, comme cela peut être le cas pour de grandes unités de cultistes maudits. Si vous ne parvenez pas à éliminer les cultistes maudits en une seule fois, et c'est difficile à faire, les Space Marines du Chaos vont vous donner du fil à retordre, car la régénération combinée à leur anti-infanterie peut être brutale. Dans ce cas, il peut être utile d'utiliser le maître des exécutions ou Khorn pour essayer d'éliminer les personnages de la sombre communion tôt dans la partie. Les Jackal sont également assez efficaces dans ce domaine, vous donnant beaucoup d'attaques bon marché pour éliminer les unités peu résistantes, et peut agir comme une bonne pièce d'échange contre une unité plus lourde. Là où vous allez avoir plus de difficultés, c'est contre les armées de mêlée plus élitistes. Les sœurs de bataille peuvent poser problème avec une bonne contre-attaque et le soutien de tir indirect, de même que la Death Guard, pouvant représenter un défi important pour les World Eaters, avec leur mélange de combat en premier et de fusils anti-infanterie, sans parler des tirs indirects des chenillés Crash Pest. Bon, dans tout ça, comment cette faction gère-t-elle les chars ennemis et les monstres? Les cibles plus imposantes sont une histoire différente. Vos meilleures options ici seront Angron, toute autre unité imposante que vous avez à portée, Prince Démon, Seigneur des Crânes, et la projection d'une grande unité de Berserker contre elle en utilisant pour le Trône de Crâne, pour vous donner plus un pour blesser, et la bénédiction Lame Warp pour essayer de la détruire par le simple volume d'attaque et les touches fatales. Le maître des exécutions avec l'amélioration de la vouge de Berserker est également une grande aide ici en cas de besoin, bien que de préférence, vos grandes cibles soient aussi des personnages dans ce cas. Sinon, l'armée n'a pas beaucoup de tirs et votre sortie de dégâts multiples se limite à quelques armes de mêlée dégâts 2 sur votre infanterie et les armes de vos plus grands personnages. Heureusement, Angron est plus que capable d'écraser des cibles plus importantes et peut également bénéficier de bénédictions et de stratagèmes pour rendre cela certain. Le défi sera de s'assurer que vous le faites entrer en combat. Mais quel combo devriez-vous privilégier? Les World Eaters sont assez simples.
Il n'y a pas beaucoup de combos autour desquels construire votre armée, car la plupart d'entre eux sont assez évidentes et consistent simplement en une unité qui est particulièrement douée pour tuer en mêlée. Cependant, examinons quelques combinaisons de règles notables. Commençons par les longues charges. C'est la phase la plus importante dans votre arsenal. Et si vous réussissez des charges en volant à travers le champ de bataille avec des unités de mêlée et en percutant les lignes de votre adversaire, bien exécutées, ces charges permettent de supprimer des menaces clés de l'armée de votre adversaire et de les bloquer dans leur propre zone de déploiement, les obligeant à se battre pour s'en échapper. Vous ne voudrez pas toujours les faire au tour 1, car parfois vous voudrez consacrer votre premier tour à préparer une série de charges au tour 2. Surtout si votre adversaire s'est déployé loin dans sa zone de déploiement pour éviter d'être chargé. Le Seigneur Avocatus, Angron, les Octoliers, leur version exaltée ou les Berserkers ont différentes règles et astuces que vous pouvez utiliser pour traverser rapidement la table. Il est utile de les répertorier. Le Seigneur Invocatus est livré avec un mouvement d'éclaireur de 6 pouces et la capacité lui permettant de donner à 2 unités d'infanterie dans un rayon de 6 pouces la capacité éclaireur 6 pouces si elles ne l'ont pas déjà. Cela vous donne un mouvement de 6 pouces avant que le premier tour ne commence. Ensuite, nous avons les bénédictions de cornes. Deux effets ici. Revigoration rageuse donne aux unités de votre armée plus 2 pouces à leurs caractéristiques de mouvement et soif de sang débridé permet aux unités de faire une avance et une charge durant le même tour. Ensuite, nous avons Frénésie apoplectique, un stratagème à 1 point de commandement qui vous donne une avance automatique de 6 pouces. Angron, quant à lui, peut également contribuer ici, donnant aux unités amies dans un rayon de 6 pouces un bonus de plus 1 à leur jet de charge avec sa capacité glorieux bain de sang. Et pourquoi répertorier tout cela? Est-ce que vous voudrez utiliser plus d'une fois ces éléments au premier tour afin d'amener plus d'une de vos unités en mêlée? Pousser une seule unité en mêlée est assez facile, mais c'est aussi un bon moyen de la laisser à découvert, laissant une partie précieuse de votre armée isolée et sans soutien. Parlons maintenant du mouvement. Sans l'aide de stratagèmes, vous pouvez donner à vos unités plus 2 pouces de mouvement grâce à Revigoration Rageuse. Puis, ajoutez une avance par-dessus, avec un résultat moyen sur un D6 à 3,5 pouces, plus un mouvement éclaireur de 6 pouces via Invocatus, et plus 1 à votre distance de charge via la capacité d'Angron pour un résultat moyen de 8 pouces sur la charge. Car la moyenne de 2 D6 étant 7, plus 1, on tombe à 8. Afin de donner à vos unités une menace effective moyenne de plus ou moins 19,5 pouces. Si jamais on parle des berserkers de Khorn, c'est 25,5, et pour les octoliers, c'est plus proche de 28,5 pouces en moyenne. Si vous utilisez Frénésie apoplectique pour une avance garantie de 6 pouces, cela peut vous emmener plus loin si nécessaire. De même, Angron avec des jets moyens peut parcourir 27,5 pouces en un tour. Dans un jeu idéal, vous envoyez 3 menaces ou plus de mêlée vers les unités de votre adversaire. En faisant cela, veillez à prêter attention à l'ordre du mouvement. Vous avez besoin qu'Angron soit le dernier à charger, afin qu'il puisse prêter son aura de plus 1 à la charge au plus grand nombre possible d'unités. Pour résumer, les World Eaters est passé d'un défi à une expérience extrêmement divertissante. L'armée possède des astuces redoutables et lorsque les dés et la mission concordent, vous pouvez réaliser des charges insensées assez tôt dans la partie qui laissent l'adversaire incapable de réagir efficacement. Les World Eaters ne sont pas une armée particulièrement complexe, mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne nécessitent pas de compétences tactiques. Apprendre quand et comment effectuer vos charges demande du temps et de l'habileté. Et lorsque les coups ne portent pas, la situation peut devenir très difficile. Cependant, lorsque tout se déroule comme prévu, c'est une expérience impitoyable à observer. Grâce aux ajustements de points, vous avez également beaucoup plus de flexibilité pour surmonter les obstacles en cas d'imprévu. Pour finir, voici deux listes qui reprennent la même base d'unités. D'abord, celle d'Anthony Vanella, finissant à la première place du tournoi California Cup de 2023, resté sans défaite au bout des 9 rondes jouées. A l'époque, Anthony s'était lancé dans une mission visant à prouver que les World Eaters sont une faction très performante, et à cet égard, vu son résultat, la mission est accomplie. Cette liste offre une mobilité exceptionnelle et une puissance de frappe redoutable, avec des match-ups avantageux contre la plupart des factions concurrentes de premier plan. Depuis sa victoire, cette liste est devenue la norme pour jouer les World Eaters, et la grande majorité des joueurs atteignant le top 4 utilisent exactement cette composition qui est plus que capable de semer le chaos chez les adversaires, même en perdant 25 points. Anthony préfère déployer ses personnages montés en Juggernaut de manière indépendante sans rejoindre de personnages, utilisant le Seigneur Invocatus comme une menace avancée qui provoque l'adversaire afin de le forcer à le cibler, déclenchant ainsi l'offrande de sang sur un objectif lorsqu'il est éliminé. Il conserve le Seigneur sur Juggernaut en arrière pour défendre un objectif et protéger sa zone de déploiement, tout en préservant son optimisation favori de cornes. En ce qui concerne les objectifs secondaires, Anthony opte généralement pour le choix tactique. La liste bénéficie d'une
d'une grande vitesse, comme nous l'avons souligné déjà. À moins que son adversaire ne joue Eldar, avec la configuration disposant de plusieurs personnages pouvant revenir d'entre les morts. Auquel cas, l'assassinat devient soudain une option secondaire très lucrative. Maintenant, regardons la seconde liste. Celle-ci diffère sur certains choix. Le joueur échange le maître des exécutions, un rhino et une unité d'octoliers exaltés contre un prince démon et une multitude de berserkers. Avec une seule unité d'octoliers exaltés, la stratégie consiste à utiliser une unité de 10 berserkers en éclaireur via le seigneur Invocatus. Ce que cette armée sacrifie en vitesse brute, elle le compense par le contrôle des objectifs, privilégiant un plus grand nombre d'escouades de berserkers. Le prince démon agit ici comme une protection supplémentaire pour ses unités contre le tir indirect et d'autres attaques, lorsqu'elles ne peuvent pas être protégées dans le rhino, tout en servant de grandes menaces de mêlée pour remplacer le maître des exécutions. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. Cela aide énormément au développement de la chaîne. Si vous voulez avoir accès aux épisodes en avance et ceux sans publicité, n'hésitez pas à vous diriger en description. Vous y trouverez le lien de ma page Tipeee. Allez, je ne vous embête pas plus. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent Wargame.